Nous retournons après président pour nous présenter au développement de l'information culturelle pour jeudi vendredi 29 juin 2018. Là. Jean Saté déjà annoncé cérémonie remise Grand Prix SGDL édition 2018. Yo, l'été déroulé mardi 26 juin 2018 là, dans l'hôtel Mazan, dans le pays de la France. Poète romancier Anthony Phelps, lycée Youn parmi 6 lauréats Grand Prix 2018 Société des genres des lettres. Anthony Phelps arrivé lauréat prix catégorie poésie pour Au souffle du vent poupé, qui c'est un recueil poésie qui presque gagne même ton à travail que lui déjà réalisé. Livre ça a été publié dans l'année 2017 sous bannière édition Bruno Dorsey qui trouvait lui Paris. Et œuvre poétique ça a gagné illustration Pet Iris Geneviève Lahens la donne tout. C'est pas premier prix écrivain Anthony Phelps recevoir. Parmi toutes distinctions lui recevoir yo, nous capable citer Grand Prix poésie pour Académie française, Prix chevalier de l'ordre des arts et des lettres en 2014. En France, pour ne citer ça ou seulement. L'autre information, dans fenêtre-là, à soyant, bisous, bisous, c'est une ancienne émission que l'artiste comédien Raoul Junior, alias Tira, que l'été qu'on réalisé pour Timoun, en dedans pays d'Haïti. Tira lui-même lui prend disposition pour lui capable de venir réanimer show ça pour Timoun sur télévision nationale d'Haïti. Et la pour commencer lui dimanche qui a 1er juillet, cap vini là. En 4 saisons pour année, chaque saison a duré 3 mois. Bisous bisous pote quelques changements dans le format Showa avec en pile nouveauté, mais c'est toujours dans l'idée pour permettre Timounio apprendre pendant à prendre plaisir. Raoul Denis Junior présenté li avec producteur Showa, il y a bay plus détails dans micro Cindy Cassandra destiné à Richie Degerville. Une nouvelle saison sur TNH, c'est son bagage qui prend de toute façon extraordinaire puisque nous gagnons plus d'outils technologiques et nous allons servir avec plus d'images animées, nous allons servir avec plus d'images photos figées et puis nous avons accès à plein d'informations. Ce qui est intéressant, c'est qu'on y a ces interactions puisque nous sommes capables de faire Timoun tout et même voyer des images pour nous et je pense que ça prend une émission vraiment extraordinaire, éducative. La première saison a duré pour toutes les vacances, donc nous allons avoir un pile amusement ensemble. Et saison va terminer en septembre. Il va terminer avec un gros show. C'est comme ça que nous avons fait le Kounia. Chaque fois que nous avons fini une saison, nous avons fait un gros show pour avoir un talent, pour avoir un petit monde qui peut venir exprimer, pour avoir un concours, etc. Et puis nous avons commencé avec une nouvelle saison. Format, c'est un format 60 minutes. Pourquoi ça me prend 60 minutes? Parce que nous avons évidemment des dessins animés que Timoun aurait en pile et me chercher des dessins animés qui éducatif un petit peu pas violent du tout que Timoun pas le remet pas le remet garder que moi même j'ai plaisir à garder avant que me passer le bail. Donc après ça dessin animé c'est une partie mais le partie rubrique yo on va gagner 4 à 5 rubriques par émission et qui va prendre ça que moi ouais pour Timoun ça que moi lire pour yo va venir porter le bail nous va regarder tout ça qui convenance sociale par exemple politesse éducation enfin bon bagadio tout bagadio. Chaque semaine, nous avons deux nouvelles émissions. Et première émission, deux reprises lundi-mardi. Deuxième émission a passé mercredi avec deux autres reprises jeudi-vendredi. Évidemment, quitter samedi a ouvert. Peut-être que nous avons un club bisous-bisous à le ça, mais on parle trop vite. Timoun, bisous-bisous à retourner sur TNH à partir de dimanche 1er juillet à 4h. Et je vous laisse maintenant. C'était tout pour aujourd'hui, les enfants, avec un gros papache et bisous, bisous. Ensemble, créons notre avenir. C'est avec Temsa, Nio Fachon, avec Ronald Cazeneuve, qui apparaît pour organiser ce 9, arrivé 20 juillet 2018, là, première édition camp de créativité au Collège chrétien d'Haïti, qui est dans la rue Jean-Baptiste, Avenue Pouplard. Mission responsable à travers activité ça. C'est pour y arriver à embrasser et encadrer les jeunes, eux-mêmes qui a fait recherche pour y arriver à meubler l'esprit pendant qu'ils apprennent plaisir, à apprendre différentes techniques artisanales comme discipline artistique sans pas négliger pour mettre accent sur question droit et devoir. Collaboratrice nous, Joanne Jacquet et Bernard Marseille, abdi-nous plus. On suit. Pour ça, même nous venons avec nos camps de créativité, c'est parce que nous voulons faire différents camps d'été que nous faisons dans.
dans période vacances là. Donc si on camp côté ti moun nan bral apprendre ou bien côté moun nan bral apprendre créer. Donc li vise sorti 8 jusqu'à 25 ans, c'est-à-dire moun nan ou capable gen jardinière qui ka vini et puis ou capable apprendre comment faire travaux manuels avec ti moun bral travail yo, comment moun nan ka faire un pot de bijoux, comment li capable faire yon pot de plume, donc un paquet d'activités manuelles qui ont rapport avec art et artisanat. Dernier jour, donc, nous comptons faire une exposition pour être capable d'exposer toute œuvre qui est faite pendant une période de 10 jours. Nous attendons, premier objectif, là, c'était 100 personnes au maximum, nous comptons. Donc, par rapport avec l'existence, nous attendons jusqu'à 60 personnes pour la première édition. Et puis, donc, public là capable venir comprendre activité et puis l'année prochaine parce que nous pas gagner tout problème ça pour mon participer absolument bail 250 good comme frais d'inscription et puis 1000 good pour 10 juin donc il y a une possibilité donc pour rejoindre yon goûter là dans tout pendant juillet. Hier 28 juin 2018 là, Fondation Connaissance et Liberté Focale, li même qui trouvait li nan numéro 43 na avenue Christophe, li té accueilli 3e édition festival en lisant, li même qui presque rivé nan bout li 7 juillet qui approche là. Festival en lisant li mettait accent sur en pile discipline qui proche lecture, tant coup théâtre ak plusieurs autres. C'est Bena Desbroches chaque junior avril l'abdin plus dans un reportage. Dans l'idée pour permettre population Port-au-Prince-là vienne faire connaissance avec 3e édition festival de théâtre en lisant en focal, directeur artistique là Eliezer Guérisme fait connaître depuis première édition dans l'année 2016 pour arriver dans 3e édition à ici là, c'est brigade intervention théâtrale qui choisit auteur et metteur en scène pour participer dans festival là. Eliezer Guérisme était tenté clarifier pour le dire, malgré activité Coupe du Monde, ça pas empêché un peu le monde de faire déplacement pour venir participer dans l'événement si là. Fondation Connaissance et Liberté, qui est un partenaire 3e édition Festival de théâtre en lisant. Festival de théâtre en lisant, c'est un festival qui existait depuis 3 ans. En 2016, nous avons fait autour de Coltès, Bernard Maï Coltès. Et puis, 2e édition en 2017, nous avons fait autour de Théâtre de l'Absurde. Et puis, 3e édition, Anessa, c'est Jean-René Lemoine qui c'est 3e invité, nous, invité d'honneur. Nous et son gros chance nous gagner parce que Jean-René Lemoine il a accepté de venir ici. Oui, on est très satisfait de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de proposer. Ça avance à petits pas, ça va gagner beaucoup plus de terrain. Il y a beaucoup de gens, malgré la passion footballistique, malgré cette grosse période de foot. Danilov Telisma, metteur en scène Tramway qui participait pour la première fois dans le festival là, exprimait satisfaction et puis bail impression sur l'importance de l'initiative. Ça pour lui. Théâtre a une importance capitale. Jusqu'à présent, tout est normal. Moi-même, je n'ai pas de stress pour m'abjurer parce que je joue demain et je joue samedi. Donc, j'espère finir de jouer deux jours pour profiter vraiment de tout spectacle qu'il y a. Parce que je suis sûr que y a un spectacle qui est dans la 3e édition festival en lisant, qui a fait là, Anissa, sur l'auteur Jean-René Lemoine. Moi, je fais deux travails. Un premier travail que je viens de faire là maintenant, qui c'est une lecture spectacle que me fait mise en place là. Et puis moi bien, c'est un tramway nommé Désir. C'est de jouer en off de festival là. Donc c'est pas un texte de Jean-René Lemoine, c'est un texte de Tennessee Williams, qui est un auteur américain, que en 2021 le festival là reprend. Donc nous tout font, on lance pierre là pour 2021 le festival là reprend. Donc je passe mon deuxième fois et Erzuli Daoumé en tant que comédien. En bas culture j'arrête, vini dans le spectacle, vini participer dans tout ça qui est culturel dans le pays nous. Comme ça tout, on a gagné, comme tu as dit ça, on a gagné la fond culture, quoi, la fond culture et on a gagné habitude de culture ça. Parmi tout le festival qu'a fait en Haïti, festival en lisant a semblé jouer une formule pour révolutionner le secteur théâtral dans le pays d'Haïti. Toujours dans l'occasion 3e édition festival en lisant, faut que nous dit plusieurs jeunes filles et jeunes garçons t'ai trouvé dans focal pour être capable d'attendre à garder performance lecteur. Yon performance qui bon côté chaque lecteur, yo t'ai kembé attention public là. Et Fanaise Priva, lui-même qui c'est une participant, il fait qu'on ait activité si là, c'était une découverte pour lui, parce que ça permet lui apprécier capacité chaque lecteur. En suivant un extrait dans le micro, Gabi Victor avec Junior Avril. Genre d'activité est toujours intéressant parce que yo aidé au gain plus large vue et puis au fait en sorte de découverte, parce que à chaque fois au participer, ou joindre des choses que vous pas de connaître.
et puis ou apprendre plus. C'est ça qui fait moi venir là et à chaque fois me venir dans focal, toujours affiché que ce soit sur le plan structurel, culturel pardon, me toujours intéressé pour venir là d'ailleurs. Et ça a aidé mon pile tout. Ça qui attire attention plus, c'est pas dans lecture là, c'est comme si ces personnages bien joué au là. Et comme si c'est eux-mêmes, c'est non, ils savent sortir, ils font gens. C'est vrai, ils gagnent au voir jamais. Mais gens ont fait lancer comme si c'est eux-mêmes qui ont parlé. C'est une pièce qui fait sans que pas de document. C'est ça qui puis ça tient attention. Nous arrivons au moment pour nous prendre une deuxième pause. Nous avons dernier sorti fenêtre. Pour ce matin, ça n'a pas invité à rester branché. Dans l'occasion du concert que Mika Ben Niteba y a hier jeudi 28 juin, après le film sorti dernier album, le 4 mai 2018, là, quelques artistes comme Medji, dans Impossible, Trouble Boy et Jay Perry sont venus pour témoigner le respect que ont gagné pour Michael Benjamin. Parce que selon eux-mêmes, c'est une des plus gros artistes qui gagnent en Haïti pour le moment. Eh bien, artistes pensaient que c'est pendant Mika Ben vivant pour profiter honorer lui. En nous suivant, extrait dans le micro Saïdna Antoine avec Denis Jasmine. Nous connaissons Mika, c'est une des plus gros artistes que nous gagnons comme artiste haïtien. C'est-à-dire que nous avons suivi le vécu sur le monde. Ça dit pas mentir dans ça. Donc, son belle initiative toujours. Ils sont sur un bel album, ou une chaîne album. Si vous avez un normal, moi là, je me définis pour m'encourager. Mika Ben, parce que c'est idole, moi, depuis Mbiti. Et me déconner, il m'apprécie, jusqu'à présent, il va déranger moi là. Moi, je suis très content parce que tout artiste qui l'a ajouté est très content. Et Mika Ben, son gros bout de tonton artiste, j'en ai qu'on dit. Et pour même, ce sont les jeunes haïtiennes. Et Cap vive toujours. Donc, Kounian, c'est le moment de bye monsieur ni love ni respect que le mérite. Ce n'est pas l'El Mika Mouri que nous va dire. On dirait même Mika, non. C'est Kounian. Donc, ça fait un plaisir ouais, que tout le monde là avec une énergie positive. Et qu'on y en a fait qu'on est depuis 25 juin, l'Olfès Haïti, lui-même, il y a une série d'activités culturelles dans l'idée pour capable renforcer sens la culture dans le pays d'Haïti pour capable porter attraction pour le public. Là. C'était l'occasion pour Claudia, père designer, pour te réaliser une exposition jeudi 28 juin dans l'hôtel Caribé, côté divers tableaux t'es exposé pour te permettre public là de faire connaissance avec Zev Designer. Suivez un reportage Gao Saint-Illus avec Denis Jasmine. Maintenant, mais à Clofès Haïti, Claudia Ped, artiste et designer réalisé dans l'hôtel Caribé, exposition une série tableaux qui fait avec paillettes, diverses couleurs, diverses dimensions. Designer te prend temps bail détail sur réalisation liant. Série ça que me créer dessin ça son représentation de Kundalini. Kundalini c'est force énergie création, surtout énergie créative. C'est ça y aurait un chi en anglais et dans plusieurs langues y aurait ça le chi qui veut dire c'est le feu. OK, donc son bail qui dans dos, on énergie qui dans dos qui monte quand on sait comme ça et puis qui vient activer ouvrir tout chakra. Il monte dans dos et puis qu'on y a l'eau connecté sont pratiques liées. Yo relève le Kundalini. Yo fait un yoga, yo fait une méditation, yo fait un mantra. Mantra c'est le après ton bagage, c'est qu'on prie lié. Et puis qu'on y a ou vient sentir ou poser. Il de profiter expliquer dimension spirituelle qui est une discipline artistique la pratiquer. Designer te parler tout de origine création liant à énergie qui a dégagé dans chaque tableau. Il de profiter pour débat relation. Un tableau yo avec différentes pierres précieuses qui ont même des relations avec différentes parties dans corps nous. Je toujours aimé dans bagage spiritualité et pour moi faire spiritualité me travaille et grandir. Tableau ou représenté c'est quand on porte lié à une autre dimension, à un autre espace. OK, puisque son bagage quand un tableau vaudou qui accède à une autre dimension. Mais ça c'est pas pour vaudou, ça c'est pour bagage y aurait les reiki qui dans l'est dans le bouddhisme. Et que yo pratique, qui c'est en technique de guérison que yo fait, moun yo fait de l'énergie avec main, yo côté yo pose main yo sous, et puis yo fait, yo prend énergie. Tableau yo marcher avec un pied en même genre qui correspond à chakra, qui correspond à émotion, pour que li ka adresse des balancements. Donc là on moun di yo attiré à un tableau, pour moi, moi di yo ça veut dire c'est moi soit ça nan quoi yo c'est énergie ça cap attirer yo que yo peut-être yo gon débalancement et tableau a attirer yo parce que li fait pour adresser problème ça énergie que nous mettez là j'en le design j'en le concevoir avec pierre là avec énergie que nous mettez là dans là c'est pour ça donc son bel tableau mais son bon tableau lié tout
N'a pas souligné, c'est pas première exposition Claudia Aped. A bien l'autre encore dans l'occasion de l'Orfès Haïtien qui a fini 9 juillet. C'est sous reportage Gao Saint-Ilus avec Denis Jasmin. N'a pété en bout dans la dernière sortie fenêtre pour semaine ça avant nous aller. Mais rappelle-t-il. Poète romancier Anthony Phelps, lycée une parmi 6 lauréats Grand Prix 2018, Société des gens et des lettres. Membre regroupement Haïti littéraire année 60 ans, Anthony Phelps, lui recevoir prix catégorie poésie SGDLA pour un nouveau recueil poétique li, qui gagne pour titre Au souffle du vent pompé. Bisou Bisou, c'est une ancienne émission artiste comédien Raoul Junior, alias Tira, qui a été réalisé pour Timoun, dans le pays d'Haïti. Eh bien, Tira lui-même prend disposition ça pour recommencer à animer Show Timoun ça sur TNH. Il a commencé le dimanche 1er juillet qui a venu là. Festival enluisant après poursuivre série activité Lyo dans pays en sans camper. Laissez pas conférence sous livre, c'est théâtre à Xafet tiré compte. Dans optique ça, et bien responsable yo organisé dans Fondation Connaissance à Liberté Focale, yon lecture scénique qui t'a attiré attention en pile monde. Et c'est là nous camper pour soya, nous t'es content pour te présenter une information culturelle ça on a croisé semaine prochaine dans l'autre édition. N'a profiter souhaitons une très bonne soirée et surtout un bon week-end pendant n'a invité pour toujours être branché TNH pour reste programmation. Au revoir.